Yo tout le monde, c'est Raziel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des épisodes de BioShock, soit l'épisode 11 de mon walkthrough. On s'était laissé sur un nouvel endroit, donc la cage des contrebandiers, et on va voir ce qui va se passer. Donc, continuez. On avait claqué pas mal de choses pour rien, pour une tourelle, pour prendre des photos. Ce n'est pas bâtir Rapture au fond de l'océan qui était impossible, c'était le bâtir ailleurs. Andrew Ryan. C'est vrai que la bâtir ailleurs, c'était un peu compliqué. Du coup, on est avec l'arc électrique parce qu'on n'a pas de corps. Donc là, c'est la balise de sécurité, l'arc électrique. Du coup, on y va. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a un cadavre avec beaucoup d'alcool que je ne veux pas prendre, bien sûr. Quoique, ça me rend de ma vie, mais ça va m'enlever du mana. Donc c'est à moitié bon. Voilà, c'est bon. Je vais attendre que la vue floue s'enlève. Voilà. Donc on va prendre le cadavre. C'est chiant qu'on puisse pas choisir ce qu'on prend. Je vais sauvegarder parce que comme j'ai récupéré toute ma vie. Ah là là. Du coup, le cadavre, on le prend avec nous. J'ai toujours l'appareil photo. Je devrais peut-être pas, mais bon. On va d'abord hacker ça. Premier hackage de la journée. Oui, c'est une nouvelle journée pour moi. Du coup, tout droit. Ah, ça m'avait manqué un petit peu. Ceci, on va le mettre là. Tac, 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 tac. On va prendre celui-ci. On va prendre celui-ci. On va prendre celui-ci pour remonter ici. On va prendre ça pour remonter là. On va prendre ça pour aller. Bah, y en avait déjà un. Et il nous manque plus qu'une ligne toute droite qui est là. Voilà. Voilà. Donc on a piraté ça. On va quand même prendre le cadavre qui est. Qui est où le cadavre? Donc je le prends avec moi. Donc là, c'est pour préparer le terrain que je vais surtout ici. Pour savoir un petit peu, parce qu'il va y avoir des ennemis, je suppose en tout cas. Merde, j'ai bu de l'alcool, je voulais pas. Un journal audio.
J'ai passé la matinée à discuter avec la scientifique allemande. C'est vrai qu'elle est traumatisée, comme ceux qu'ils ont récupérés dans les camps. Mais elle n'est pas folle. Elle va gagner tellement d'argent que la fortune de Ryan sera ridicule à côté de la sienne. Elle a simplement besoin de matériel pour avancer, et d'un ami pour la protéger. Vous entendez ma famille dans le sous-marin ? Vous entendez du bruit ? On va remonter pour appuyer sur le bouton. Je pense pas que j'aurai besoin d'appareil photo. Parce que j'ai déjà fini l'étude sur les chromosomes armés. Par contre, il y a des corps à corps et ça m'intéresse. Et je vais le voir tout de suite. Ok, Atlas. Il fait si sombre. Si seulement votre ami pouvait lever les yeux, vous pourriez le prévenir. Si seulement. N'importe quoi. Plutôt que de rester là, à le regarder. On va sauvegarder. C'est quand même bien cheaté. Qu'êtes-vous venu faire ici? Il y a deux manières de résoudre.
Mon plafonnier, c'est fait. Plafonnier, j'ai fini. Un marché. L'Irlandais obèse m'a proposé un marché. Je leur balance Fontaine et je peux me tirer d'ici. C'est pas compliqué. Mais comment savoir si ce gros lard n'est pas avec Fontaine? Ils sont peut-être tous avec lui. Fontaine a de la dent et tout le monde en veut. Ryan est un beau parleur sapé comme un prince. Même ici, un idiot peut voir de quel côté le vent souffle. Ok. Bon bah vers Arcadie, hein, la cage des contrebandiers, c'était rapide. Un petit coup de café. Arcadie, pour vous expliquer un petit peu, c'est l'endroit où Ryan, non pas Ryan, enfin bref, où ceux qui ont créé la ville, donc Ryan et les autres, ont fait l'oxygénation de la ville. Donc pour oxygéner, bah, il faut des arbres et c'est un parc naturel, enfin naturel. L'impossible. Vous êtes venu voler ce que vous êtes incapable de construire, tel un barbare en admiration devant les portes de Rome. Même l'air que vous respirez est débité de mon compte. Alors, respirez profondément pour vous souvenir plus tard de son coup. Allez à la bâtisse faire des collines roulantes. Elle vous mènera tout droit au démon. Et alors, il sera temps pour lui de payer. On va sauvegarder. Donc là, on est à Arcadie. Arcadie, me voilà. Sûrement pour le craft de munitions. On va sauvegarder. Il y a deux petites sœurs ici. Ok. Prochaine petite sœur, on reçoit 200 adans et des récompenses. Quelqu'un !
vous pouvez m'aider? Ah, ça me fait stresser. Ça me fait stresser. Ceci est un Crozomoudini. En clair, il peut disparaître à volonté et apparaître à volonté. Où il veut. En clair, il a des sortes de TP. Voilà, Crozomoudini. Là, il joue avec mes pieds. Aujourd'hui, l'Arcadie n'était ouverte qu'aux clients payants. Ce type m'engage pour planter une forêt au fond de l'océan et il fait d'une promenade dans les bois un produit de luxe. Ryan m'a dit, un fermier ne doit-il pas être libre de vendre sa nourriture? Un potier n'a-t-il pas le droit de vivre de ses poteries? J'ai essayé de discuter avec lui, mais je sais qui signe mes chèques. La seule chose qui soit pire qu'un hypocrite, c'est un hypocrite au chômage. Ok. Ok, ok. J'avais encore les grosses brutes, j'en avais pas vu encore. Il vaut mieux avoir l'avantage de la vitesse, il faut toujours courir plus vite que les chromosomes. Quand j'achèterai des emplacements.
On va sauvegarder. Donc on fait les recherches maintenant sur les Rosie, les videurs. Rosie videur, on va essayer de finir la Rosie. Rosie, je pense que je suis niveau 3. Je suis un gagnant. Mon jour de chance. Comme tous les jours. C'est la conjoncture, c'est tout. Le marché va s'en remettre. Tu iras bien. Thank you.
Donc, bon, on a utilisé l'endroit. Bon, on ira après. D'abord, je pirate ceci. On va sauvegarder. Arcadie. Ah là là. Donc pour le moment, ils ont. On n'y a pas encore accès, mais je pense qu'on arrive au moment où il y a le système de craft. Donc c'est à peu près au milieu de l'histoire. Et du coup, tac et tac. Voilà. Donc acheter. Qu'est-ce qu'il y a? Des pellicules. On va en reprendre un petit peu parce que bon, pas envie de tomber à court. Et on a besoin de rien. Voilà. Du coup, on va sauvegarder. Les recherches avancent. On arrive quasiment à la fin de, pas de toutes les recherches, mais on arrive à bien avancer. Ah ben voilà encore pour la recherche. Je sais pas si c'est un vrai chat ou un faux chat, mais bon. Sauvegarder. On va hacker le coffre. Donc là, on a vu les premiers pièges. Autopiratage parce que flemme et qu'il était très dur.
Antipersonnel, du napalm et du kérosène. Parfait. Il y a plein de trucs cachés dans ces niveaux. Donc là, j'ai hacké la tourelle. En dessous, il y a quoi? J'ai pas pu vraiment le prendre en photo. Et du coup, je vais utiliser d'autres munitions parce que les munitions anti-personnages, je préfère les garder pour des moments un peu plus judicieux. Du coup, on va descendre. En prenant bien sûr un cadavre. On va prendre une grosse brute. On va pirater ça.
Ça c'est génial, mais pas maintenant. Ça va être génial. Par contre, je vais le prendre, mais ça se met à quelle place? Ouais, bon, du coup je tourne en rond, je fais rien là. Il y avait un truc de soin là. Ici, il y a le Crozomodini que j'ai pété. Et là, il y avait Jardin des Glaneuses. Du coup, je vais vous dire à la prochaine. On va se quitter là. Et je vous dis à bientôt pour l'épisode 12. Allez, tchuss!